Comme je l'explique dans mes formations d'hypnose et de coaching neuro-émotionnel, les neurosciences expliquent aujourd'hui le processus de motivation et de réussite, le processus de fixation d'objectifs, le fonctionnement de la prière, les processus de guérison de la douleur et même la loi d'attraction. Et les appareils scientifiques de mesure dont nous disposons permettent même de montrer l'emplacement des zones qui régissent notre succès dans la vie. En particulier, le système réticulé d'activation ascendant, ou SRAA. Situé dans le tronc cérébral de notre cerveau, le SRAA contrôle nos battements de cœur, notre respiration, notre appétit, notre alimentation, notre excitation sexuelle et contrôle également notre conscience ainsi que notre concentration. Plus exactement, le système réticulé activateur ascendant va sélectionner les données que notre cerveau va percevoir. Imaginez que par seconde, notre cerveau traite 400 millions de bytes d'informations. Oui, 400 millions de bytes d'informations par seconde, alors que seulement 2000 sont conscients. Notre inconscient traite 400 millions de bytes d'informations et notre mental uniquement 2000. C'est-à-dire que notre cerveau ne perçoit consciemment que 0,0001% des informations qui lui parviennent par nos cinq sens. Notre système réticulé activateur ascendant est donc un centre de tri qui évalue toutes les infos que captent nos cinq sens, qui définit ensuite les infos à garder et les priorités à traiter, et qui ordonne également à notre corps de mener à bien les actions pour répondre aux images perçues par ce système réticulé activateur ascendant. Il trie donc dans notre environnement tout ce qui correspond à nos croyances. Puis, il relie nos pensées, nos émotions à tout ce qui est similaire dans notre extérieur et nous prévient dès qu'il trouve les éléments correspondants. C'est le Google de notre cerveau. Tout ce que vous rentrez dans votre SRAA sera toute la journée détecté par lui. Et vous ne serez conscient ou alerté consciemment que de ce qu'il a comme données stockées à l'intérieur. C'est pour ça que les femmes enceintes voient tout autour d'elles, toutes les femmes enceintes, il y en a toujours autant, ce n'est pas une épidémie, sauf que là, ça devient important quand on est enceinte et on voit toutes les femmes enceintes. Pareil, si vous souhaitez acheter une Hyundai rouge, bien vous allez découvrir plein de Hyundai rouges partout, elles sont présentes exactement dans toutes les rues. Mais le revers de la médaille du système réticulé activateur ascendant, c'est qu'il ne voit pas si c'est positif ou négatif pour vous. Il ne voit que ce qui est important pour vous. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, lui sait que c'est important, mais il ne sait pas s'il vous le faut ou pas. Parce que les choses que vous ne voulez pas, il sait que c'est important pour vous. Il ne fonctionne qu'en valeur absolue. Donc, si vous n'aimez pas un type de situation ou que vous ne voulez plus rencontrer un type de personne particulière, eh bien, vous ne verrez que ces personnes ou attirerez que ces situations. Car le SRAA, sachant que c'est important pour vous, vous alerte à chaque fois qu'il détecte ces éléments dans votre environnement. Autrement dit, à partir de maintenant, si ce n'était pas encore le cas, concentrez-vous uniquement sur ce que vous voulez. Et plus du tout sur ce que vous ne voulez plus. Car le système réticulé activateur ascendant, comme un filtre, sélectionne tout ce à quoi vous pensez, tout ce sur quoi vous focalisez. Alors félicitations, parce que maintenant, vous devenez un créateur conscient de votre réalité, avec la responsabilité que cela incombe. Plus de renseignements sur les neurosciences, le coaching neuro-émotionnel et toutes les clés de la physique quantique pour réussir la loi d'attraction sur
www.oliviermadelrieux.com ou sur www.i-hc.com.